Méditation du 27 octobre, les plans de Dieu. Non, tout sauf du colportage, a dit Ruth à son amie qui lui proposait d'aller au Chili depuis le Pérou pour gagner de l'argent. Ne t'inquiète pas, a répondu son amie, nous entrerons dans le pays avec les colporteurs et une fois arrivés, nous chercherons un autre emploi. C'est ainsi qu'elle l'a convaincue. Après le lycée, Ruth, qui avait besoin d'argent pour faire des études d'infirmière, s'était rendue en Équateur pour faire du colportage, mais n'avait pas pu atteindre son but parce qu'elle était tombée malade. Elle s'était promise de ne plus jamais en faire et avait cherché du travail dans une boulangerie. C'est là qu'elle s'était liée d'amitié avec la jeune chilienne qui l'invitait maintenant dans son pays. Elles se sont embarquées dans l'aventure, mais à la frontière, première déconvenue. Son amie était restée sur le territoire péruvien trop longtemps. Elle devait payer une amende de $120 pour sortir. Mais elle n'avait pas autant d'argent. Ruth s'est mise à prier et en un instant, la situation s'est arrangée. L'agent a dit « Avec $10, je vous laisse sortir ». Il fallait maintenant entrer au Chili. Ruth avait appris que de nombreux Péruviens étaient déportés et elle n'avait pas de passeport, seulement sa carte d'identité. Entendant leur conversation, le chauffeur de bus leur a proposé son aide en échange d'une somme d'argent, mais elles ont préféré prier. « Seigneur, que ta volonté soit faite », ont-elles dit, et elles se sont adressées aux agents. Son amie est passée sans problème, étant chilienne, mais Ruth a été interrogée. « Où allez-vous? Qu'allez-vous faire là-bas? Je suis étudiante », a-t-elle répondu. « Où sont vos papiers ?» a demandé l'agent. Ruth n'en avait pas. Elle n'avait même pas de passeport, mais elle avait un prospectus pour le colportage avec le nom d'une université. L'agent l'a vu et lui a dit « Vous allez à l'université adventiste ?» Allez-y, permission accordée. Ruth ignorait les plans de Dieu. Le Seigneur voulait qu'elle fasse du colportage au Chili. Ruth est maintenant infirmière diplômée et elle y est parvenue en vendant des livres contenant le message du salut. « Je connais moi les plans que je prépare à votre intention », déclaration du Seigneur. « Non pas des plans de malheur, mais des plans de paix, afin de vous donner un avenir, un espoir. » Jérémie 29, le verset 11, dans la Nouvelle Bible Second. « Ce dont nous avons besoin, c'est d'y croire. Recommande tes œuvres au Seigneur. » Et tes plans se réaliseront. Proverbe 16, verset 3, dans la Nouvelle Bible Second. Verset du jour, recommande tes œuvres au Seigneur et tes plans se réaliseront. Proverbe 16, verset 3, dans la version Nouvelle Bible Second. Bonne journée, que l'Éternel vous bénisse.